Informer et communiquer ont pris et continuent de prendre une place importante dans la crise pré-post-électorale qui secoue le Gabon. Ce qui sans doute permet au coordonnateur de l'ONG IDRC Africa d'attirer l'attention des journalistes et communicateurs. La presse française devrait faire très attention à la méthode de transmission de l'information. Parce que quand nous lisons tout ce qui se passe dans les informations au niveau de France 24, quand nous lisons la presse française, quand nous écoutons RFI, je me pose la question de savoir est-ce que nous sommes dans le même Gabon. Je rentre d'un voyage à l'intérieur du pays. Je viens de faire 700 km. Dans les médias français, on parle de plus de 500 morts. Mais c'est une preuve qu'ils ne connaissent pas le Gabon. Parce qu'au Gabon, dès qu'il y a 10 morts, tout le monde est concerné. Mais d'où sort ce chiffre? De quel chaos parle-t-il? De quelle ville qui est bloquée? Je viens de faire Libreville, Oyem, Bitam, jusqu'à la frontière des Boro. Des Boro à Libreville, je n'ai été embêté par personne. Se souvenant de la malheureuse attaque qui a causé autant de morts à Charlie Hebdo, le coordonnateur de l'ONG IDRC Africa appelle les hommes de la plume et du micro à plus de responsabilités.